Bonsoir messieurs, donc Bonsoir. j'ai l'honneur, je suis ému d'avoir Labuti en face de moi. C'était l'un des joueurs avec qui on a effectué l'un de nos premiers articles Car eSport. C'était pas un article de oui, le joueur a fait ci, le joueur a fait ça. C'était un article suite à cette blessure. Ouais. Et ce soir, nous avons pu revoir le joueur physiquement se déplacer. Non seulement se déplacer sur le terrain, mais marquer un super beau but. Tes impressions de ce match? C'était un beau match. Déjà, je retrouve déjà les sensations. 2020, c'était pas comme cela. 2021, là, j'ai repris les entraînements un peu plus sérieux avec l'entraîneur qui fait un bon travail aussi. Donc voilà. Mais bon, les sensations reviennent petit à petit. C'est clair qu'on n'est pas encore en R2, mais c'est en R1, excusez-moi, mais on est en R2. Donc le niveau n'est pas encore le même, mais bon, R2, ça joue quand même pas mal. Mais le match, il a été bon ce soir. On a pu voir un Labuti qui dézonnait énormément. Étais-tu vraiment blessé? Bon, après, je suis resté. On a pris le temps aussi pour travailler tout cela. On n'a rien précipité. On a pris le temps. Donc, ça fait quand même 4 ans que j'ai quitté le terrain. Donc, voilà quoi. On a bien travaillé avec les coachs, tout ça, les dirigeants. Donc, c'est pour ça que ça commence à revenir petit à petit. Et ce duo, Labuti, Gambi? T'en penses quoi? C'est pas un duo d'aujourd'hui, c'est un duo, ça fait 4 ans, 5 ans, ça fait longtemps que ça joue au football ensemble. C'est pareil que si on dit catalan, Labuti, c'est le même duo quoi. Donc voilà. Merci beaucoup, bonne soirée.